Il est 10 heures et les bénévoles s'activent déjà en cuisine. Éplucher les légumes, les couper ou laver les fruits, chacun a une tâche bien définie avec un seul objectif, être à l'heure pour le ftour. Ici, le menu de la journée est élaboré la veille. Salade, shorba, emtoum, tout ceci provient de dons d'âmes charitables qui ont alimenté le restaurant durant tout le mois. C'est la 6e année consécutive que l'on organise cette opération. On est un peu rodé. Tous les jours, on prépare de la shorba et un plat de résistance en fonction des dons qui nous parviennent. Ils fournissent gracieusement ces produits, mais cette opération n'aurait pas pu non plus se concrétiser sans l'aide des bénévoles en salle. Tous les soirs, ils s'attellent à préparer une jolie table pour donner l'impression aux visiteurs d'être comme chez eux. Nous sommes là dès le matin, on nettoie d'abord la salle, puis on dresse les tables pendant que les autres sont en cuisine. À l'approche de l'heure de la rupture du jeûne, le restaurant se remplit peu à peu. Visiteurs d'un soir ou habitués, tous vont manger avec appétit ces plats généreusement offerts.